Salut, camarade. Salut, camarade. Merci beaucoup au bureau. Bon, je vais être tout nu. Je ne vais pas faire des contours. Je vais aller droit au but. On remercie le bureau, mais selon moi, ils sont essoufflés. Ils ont beaucoup travaillé, ils sont fatigués. Parce que, sincèrement, 6%, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des histoires, histoires de Fonds mondial, Banque mondiale. Quand ils vont poser la question que pourquoi Fonds mondial ne demande pas de diminuer les salaires des ministres? Pourquoi Banque mondiale ne demande pas de diminuer les salaires du président? Actuellement, les fonds de roulement de la présidence, ça fait 20 millions par jour. Mais Fonds mondial, Banque mondiale, ils ne demandent pas de diminuer, je ne sais pas. Cette histoire-là, c'est une pagaille. Il faut qu'ils cessent de nous tromper avec leur petit jeu-là. Parce que, avant de... Quand on fête 27 avril, fête de l'indépendance du Togo, j'ai pas vu, on a écrit quelque part, Fonds mondial, FMI. Les autres pays-là, quand tu prends le Burkina, la Côte d'Ivoire, on nous dit que le mois dit que la masse salariale ne doit pas dépasser 40%, mais ça ne dépasse pas ça. Maintenant, notre pays est un cas particulier. Pourquoi, mais donc pourquoi? Parce que nos recettes, ce qu'on déclare là, c'est faux. C'est faux. Parce que j'ai les preuves, mes preuves, c'est le président de la République. C'est lui-même qui a dit qu'une minorité s'accapare des richesses du pays. Et c'est ça les preuves. Lui-même, il le sait. Lui-même, il le sait. Dans cette histoire qu'on ne peut pas nous doubler les salaires, c'est faux. On peut nous doubler les salaires. C'est à lui de prendre ses dispositions, de voir les directeurs généraux des différentes sociétés d'État. Quand tu prends Togo Télécom, mais c'est de l'argent. Togo Cell, c'est de l'argent. On peut bloquer le port une semaine par mois pour nous payer. On nous double les salaires. On bloque le port chaque une semaine par mois, on pourra nous payer. Mais c'est une manque de, c'est un manque de volonté. Sur ce, c'est dit que c'est simple. Vous avez dit que la base est souveraine. On ne peut pas clôturer les débats, attendre 2014. Vous avez signé, d'accord. Maintenant, on va faire une... C'est-à-dire que les nouvelles négociations recommencent. On se donne rendez-vous dans une semaine. Dans le vendredi ou bien, je ne sais pas, le mercredi prochain. Camarade, salut! Camarade, salut! Camarade, salut! Effectivement, c'est une étape. Ça, là, on te pose à côté. Et on reprend. Donc, on se donne rendez-vous. Une semaine, c'est trop, non? Donc, mercredi prochain. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. On envoie une lettre au gouvernement. D'accord, merci beaucoup pour les 6%. Mais nous trouvons que les 6%, c'est pas beaucoup. Donc, sur ce, préavis de grève. Camarade, salut! Camarade, salut! Parce que nous ne voulons pas mettre le bureau en débarras. Donc c'est pourquoi, bon, on va dire merci au gouvernement pour les 6%, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc nous prenons les 6%. Donc, préavis de grève, nous voulons 50... 50... Les histoires des fonds mondiaux, banque mondiale, on ne veut plus entendre. On nous a affamés ici que PPTME. Actuellement, je ne sais plus quel cycle vous utilisez. C'est PP combien? Chez vous, ma pépite. Mais qu'est-ce qu'on attend encore? Je ne sais pas. Parce que moi, mon problème là, avec le docteur, voilà, on est d'accord. On attend le statut particulier. Maintenant, le statut particulier, avec de 6% et 1 an, c'est pour 2014. On n'a rien de définitif. Sur quelle base nous allons réclamer les histoires de statut particulier pour chaque corps? Donc, on va attendre 2014. Ils vont encore dire, bon, 2015, pour parler des statuts particuliers. Donc, la base est souveraine. On se donne rendez-vous. Dans une semaine, on les envoie une note. Merci beaucoup pour les 6%. Nous ne sommes pas satisfaits. On veut 50%. Et les négociations continuent. Parce que 2014 n'est pas encore arrivé. Mais on ne peut pas attendre 2014. C'est trop loin. Merci beaucoup.